Nicolas, c'est la recette. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous faire les choses et vous faire travailler. C'est-à-dire qu'on va prendre le poisson, vous allez le nettoyer. Je vais vous apprendre comment vous nettoyez le poisson. Quand vous êtes chez vous pour barbecue ou autre chose, au moins vous saurez faire un poisson. Quelqu'un sait déjà faire un poisson ou simplement c'est délicieux. De l'escargot, donc on va commencer tout simplement par la pêche. On va faire comme le terre. C'est surtout pour la chaleur ou pour porter quelque chose de torsion cuisine. Vous avez vos petits. Alors pourquoi vous avez ça? Parce que là, vous avez une recette. Une mandoline, mais pas tout le monde a une mandoline chez soi. Là, on va le faire au couteau. Donc, voilà. Vous voyez, c'est environ 0,5. Une fois qu'on a fait ça, on taille un petit bâtonnet et là on revient dans l'autre sens et là on attaque nos petits cubes. Allez doucement, ça ne sert à rien. On va attaquer en risotto de pommes de terre. D'accord. On va être l'accompagnement de notre dorade. Le bon de bois, l'échalote. On la tient bien. C'est ça que vous disiez, ça par rapport. On le pousse. Tiens ça. On l'entaille dans ce sens. Avec des petites tranches. Ensuite, on coupe une fois sur le haut et une fois sur le bas. Et ensuite, on cisèle. Vous voyez le résultat? C'est vraiment tout petit, il semble. Et très salé. Une fois qu'on a ça, ça frémit. Le persil a été préalablement, lavé. Vous le gardez en bouquet comme ça avec la ficelle. Et vous l'incorporez dedans. Vous le laissez environ, même pas une minute. Là, je prends mon jus et je mouille. Et je mouille à niveau. Le feu, on le laisse fort. Et quand on va avoir une ébullition, on va baisser. Alors, donc chacun prend une fenouille, enfin chaque équipe prend une fenouille. Vous le coupez en deux. Vous m'en donnez un, je vous montre. On le coupe en deux. Merci. Voilà. Donc, là, vous êtes à l'émission. Là, je calme. Et là, on laisse et vous brûlez. Voilà. Donc, on la tient comme ça. On prend les cailleurs. C'est rien de gratter comme ça. Si vous grattez comme fort, vous les mettez de partout et vous allumez le poisson. Alors le test c'est quoi? C'est tout. Les ciseaux. Et j'enlève les nageoires. Les ventrales. Je lui mets un coup de ciseau, je mets de l'autre côté.